C'est le résumé de la deuxième étape du Cubica MF Bowling Promotion Tour en Bretagne, dans cette très belle ville de Dinan. Après 8 lignes de qualification, le français Quentin Deroux termine en première position avec plus de 235 de moyenne, suivi de très près par l'américain Chris Vaiali. A noter la bonne performance de la tenante du titre, la professionnelle polonaise Daria Pajok, et la quatrième place du jeune et surprenant suédois Karl Eklund. Nous allons maintenant assister à la finale entre le français Quentin Deroux et l'américain Chris Vaiali. Nous sommes sur la frame 2 avec le français Quentin Deroux qui a du mal à trouver le strike. Il laisse le speed 5-7 qu'il réalise joliment. L'américain Chris Vaiali a la possibilité de doubler sur la frame 3 et de prendre un petit avantage en ce début de match. Il ne laisse pas passer cette occasion avec ce strike mi-poche. Sur la frame 4, Quentin Deroux est en retard de 12 quilles. Il est temps pour lui d'ouvrir son compteur strike. C'est chose faite avec ce messager très spectaculaire. Le français Quentin Deroux continue sur sa lancée avec un doublé et cette fois-ci un strike pleine poche. En ce milieu de partie, Chris Vaiali reste au contact du français avec une boule qui arrive fine dans la poche et qui fait tomber les 10 quilles. À la frame 6, l'américain permet au français de revenir dans le jeu avec cet horrible split, le fameux 7-10. Sur sa deuxième boule, il laisse malheureusement la quille 7. À la frame 6, le français est sur un triplé et a la possibilité de revenir sur l'américain. Il envoie une boule pleine poche, strike à la clé. On enchaîne sur la frame 7 avec Quentin Deroux qui passe à côté du quadruplé et laisse la quille 4. Il reste sérieux avec ce spare parfaitement exécuté. Chris Vaiali, sur sa frame 8, a besoin de doubler pour rester au contact du français. Il y parvient avec ce très beau strike et un excellent brassage de quilles. Quentin Deroux doit striker pour rester en tête face au pro US. Malheureusement, avec cette quille 7, il devra se contenter d'un spare. Nous arrivons vers la fin de cette finale. L'américain est en ballottage favorable, surtout s'il triple. Il laisse la 10 et réalise son spare. Le joueur américain est sur sa dernière boule. Il laisse une nouvelle fois la 10 et termine à 199. Le match se joue sur cette dernière frame. Quentin Deroux a besoin d'un spare suivi d'un 6 pour remporter la victoire d'étape. Il réalise le spare suivi d'un 9 et gagne cette étape bretonne.